Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. À l'aube, il fait déjà beau. En fait, au Brésil, il fait toujours beau. Le jour de la Toussaint 1501, une escadre portugaise découvre cette baie particulièrement bien abritée. Il la nomme la baie de tous les saints. Le premier contingent qui va débarquer est composé de jésuites, bagnards, paysans et prostituées. Leur premier travail sera de protéger la côte par 4 fortifications. Que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha. À partir de la pointe où va être construit le phare de la Barra, va s'étendre de chaque côté la ville de Salvador de Bahia. Elle devient vite la capitale du Brésil. Sa baie est la plus grande d'Amérique. Elle possède une position centrale sur la carte du Brésil. Les courants sont favorables pour amener facilement les bateaux vers l'Europe, facilitant les échanges commerciaux. Elle est entourée d'espaces de grande richesse agricole, avec des vallées bien irriguées, facilitant la production de la canne à sucre et des épices. Salvador possède 2 entités, la ville basse et la ville haute. La première reste au contact de la baie et du port. C'est le quartier laborieux, en lien direct avec les habitations modestes, construites par la population d'origine africaine. Par endroits, ce sont de véritables favelas. L'accès à la ville haute est facilité par l'élévador Lacerda. Plusieurs fois rénové depuis sa construction en 1870, c'est un symbole de la ville. Il transporte plus de 33 000 passagers par jour. Peu onéreux et gratuit pour les plus de 60 ans, il permet d'accéder au fameux quartier Pelourinho. Le Pelourinho, ou Petit Pilori, était autrefois le lieu des exécutions publiques qui attiraient bien des curieux. Actuellement, ce quartier demeure le lieu de rencontre le plus populaire. Ici, la profusion d'églises baroques marque l'emprise des religieux. C'est la Rome noire, en raison du nombre de ses églises. Chaque église s'organise autour du culte d'un saint. Les églises sont en compétition. Chacune doit être la plus belle, la mieux décorée. Jésuites, dominicains et franciscains rivalisent de créativité, réalisant les églises baroques les mieux ornées du monde. Les représentations sur les murs, les nombreux tableaux, sont destinés à évangéliser les analphabètes indiens
et les Noirs africains. En peu d'années, 4 millions d'esclaves vont transiter par Baïa. 1 500 000 resteront sur place pour le besoin des exploitations. Leur vie est extrêmement pénible. Les religieux portugais leur interdisent de pratiquer leur religion. En ville, ils suivront les coutumes catholiques. Mais pour eux, derrière chaque statue de saint, se cache une de leurs divinités. Dans les campagnes, quelques cases aménagées abritent la pratique du Kondambé, honorant leurs dieux africains. Les cérémonies invoquent les dieux par les chants, les percussions les intègrent au sein des personnes en transe. Le syncrétisme né de l'esclavage est toujours actuel. Cette fusion des croyances noires au rite chrétien a permis une certaine intégration au monde des Blancs. Ceci n'empêchera pas le Brésil de rester le dernier pays à abolir l'esclavage en 1988. Est-il réellement aboli ? Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Il reste que la capoeira, cet art martial mélangé à la danse au soleil brésilien, continue à raconter la résistance des Noirs. Ils ont apporté sur leur continent leur culture. La caipirinha en est une belle et très bonne facette. En 1763, Bahia va perdre son statut de capitale. D'autres richesses découvertes dans le sud brésilien, en particulier l'or, va déplacer la capitale vers Rio, avant d'être déplacée à Brasilia. Bahia perd son activité. Les bâtiments seront délaissés pendant 2 siècles. En 1955, elle retrouve un grand essor marqué par une croissance industrielle majeure, facilitée par la découverte du pétrole dans la baie. Il faudra attendre 1985 que le quartier de Pelourinho soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, historique pour que la ville reprenne la rénovation de son patrimoine. Mais en dehors de ce quartier, la périphérie est à l'abandon. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma ré... Le carnaval de Salvador est le plus grand carnaval populaire de rue du monde. C'est sans aucun doute l'événement le plus important de l'année pour la majorité des habitants. 2 200 000 participants au même instant dans les rues. Le carnaval de Salvador est un carnaval de rue. Beaucoup de Brésiliens
viennent le vivre à Salvador, laissant plutôt Rio aux étrangers. Pendant 4 jours et 4 nuits, la ville entière est dans la rue. Groupes, corporations se mélangent pour chanter et danser jusqu'à l'épuisement. Vinha cantando alegremente, quim, quim, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também quim, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Salvador de Bahia, avec ses 3 millions d'habitants, restera toujours le berceau de la culture métissée du Brésil. Il y fait toujours beau. Vem, vem, que quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando vocal.